Ah, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui prends place maintenant avec nous, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Je bénis Dieu pour tous les surnaturels qui se connectent maintenant, que la faveur de l'Éternel soit votre partage. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie, toi qui me prends place. Shalom, prophétesse Elisha, shalom, Isabelle, shalom. Daniel Koné, Indiana, shalom à toi, Suzanne Yao, shalom, shalom à tous ceux qui sont en train de nous prendre en marche maintenant, faveur souveraine, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je voudrais, comme d'habitude, inviter quelqu'un à partager cette vidéo. Je voudrais inviter quelqu'un à partager cette vidéo, à mettre les cœurs, à mettre les commentaires tout le long de cet enseignement. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette heure que tu nous donnes. Merci de prendre contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Bien, nous sommes en train d'aborder notre thème, le sacrifice. Et je vous avais averti dès le départ que nous allions prendre notre temps pour expliquer ce thème, le sacrifice, parce qu'il est très, très, très important. Il a tellement de valeur dans le monde spirituel déjà et encore plus dans le monde surnaturel. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre sixième partie du thème, le sacrifice. On n'a pas encore fini, hein? Il nous reste encore des choses à enseigner sur le sacrifice. Nous sommes à notre sixième partie et le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous sommes de plein pied dans le surnaturel. Le sous-thème que nous allons aborder, c'est le rituel. Voilà. Je résume en quelques minutes, en une minute, disons. On a parlé des différentes étapes, des différentes composantes du sacrifice. On a mentionné le sacrifiant. Il faut être un bon sacrifiant. On en a parlé. Priez de regarder les vidéos précédentes sur la page Domination Optimale ou bien sur la page YouTube Révérend prophète Herman Kouadio. On a parlé du sacrifiant, on a parlé du sacrifice en lui-même, on a parlé des différentes catégories de sacrifices, le sacrifice institué, les sacrifices révélés, et nous avons parlé la semaine dernière, si je me souviens bien, des sacrifices volontaires. Bien, ce qui nous fait déboucher aujourd'hui sur le rituel. Dans le sacrifice volontaire, on répondra à la question de comment est-ce que je peux évaluer un sacrifice. Et ceux qui ont suivi la semaine dernière, si tu n'as pas suivi, merci de regarder la vidéo de la semaine dernière. Nous avons expliqué un peu que dans le surnaturel, le sacrifice se fait en animaux, c'est-à-dire en menu, en gros bétail, les bœufs, les vaches, les veaux. Gros bétail, menu bétail, nous avons le mouton, les béliers, le bouc, l'agneau. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça la semaine dernière. Et puis, il y a le sacrifice aussi d'oiseaux. Donc, ce sont les différentes catégories. L'oiseau, le plus bas catégorie. Deuxième catégorie, le menu bétail. Troisième catégorie, le gros bétail. Et quand tu as fini de décider lequel des animaux ou bien combien d'animaux tu veux sacrifier, la notion d'équivalence qui te permet maintenant de savoir ce que tu dois donner. Bien, ça a été expliqué en long et large la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du rituel. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les cœurs? Voilà, merci de partager, merci de mettre les cœurs tout le long de ce live. Merci de mettre les cœurs. Il y a beaucoup de noms que je ne vois pas. Je sens qu'il y a plusieurs absents. Merci de vous connecter, de partager. Voilà, merci de mettre les cœurs tout le long de la vidéo. Bien. Vous voyez le sacrifice, l'agneau, l'animal derrière moi. On a voulu garder cette image-là sur l'affiche tout le long de ce thème, le sacrifice, parce que ça parle. Ça parle. Et nous abordons le sujet aujourd'hui du rituel. Quand on parle du rituel, c'est tout ce qui est cérémonie autour du sacrifice. D'accord? Les gestes particuliers prescrits autour du sacrifice. Nous avons plusieurs éléments que nous allons voir, plusieurs versets que nous allons lire. Et je veux tout de suite que quelqu'un marque quand on parle de rituel. Voilà, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? L'ensemble, dis avec moi, ensemble des cérémonies autour du sacrifice. D'accord? Rituel, c'est l'ensemble des cérémonies autour du sacrifice. Nous sommes dans le surnaturel. Et il arrivera que
En fonction du sacrifice que tu auras à faire, il y aura des cérémonies à faire autour du sacrifice. Et c'est de ça que nous parlons et c'est ce qu'on appelle rituel. D'accord? Il y a des gestes, des attitudes à avoir. Bien, nous sommes dans le sacrifice volontaire. Le premier passage que nous allons lire pour parler de rituel, allons-y. 1 Roi, le chapitre 18. 1 Roi, le chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 29. Nous sommes de plein pied dans le rituel. Hein. Je veux rappeler à toutes les surnaturelles et à tous les surnaturels que nous avons rendez-vous aujourd'hui à partir de 0h00. Voilà. Tous les heures de France, bien sûr. Heures de France, bien sûr. 0h00. Toutes les surnaturelles et tous les surnaturels. Allons-y pour la première référence. 1 Roi, le chapitre 18. 1 Roi, le chapitre 18. On va lire à partir du verset 29. 1 Roi, chapitre 18. On va lire à partir du verset 29. Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Verset 29 au verset 38. 1 Roi, chapitre 18, verset 29 au verset 38. Verset 29. OK. Bien. Nous commençons. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 29. Il est écrit: lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Nous sommes dans le passage de Élie le sacrificateur, Élie le prophète plutôt, face au prophète de Baal. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. D'accord? Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Élie prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit: tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. D'accord? Je continue la lecture, je vais expliquer tout à l'heure. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu et c'est toi qui ramène le cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Amen. Bien. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans le défi de Élie et les prophètes de Baal. On va aller très vite parce qu'on a plusieurs versets à lire. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle les rituels? Vous allez vous rendre compte que quand Élie prend, c'est à son tour d'offrir le sacrifice. La Bible dit au moment de l'offrande, il dépose le taureau. Ceux qui ont suivi l'enseignement de la semaine dernière, le taureau sacrifice de gros bétail. Il dépose le taureau, mais avant d'offrir le sacrifice, il y a des actions que Élie va poser. Et ce sont ces actions posées qui constituent le rituel. La Bible dit, il va d'abord prendre 12 pierres. Il positionne les 12 pierres. Il rétablit l'autel. Ensuite, il va leur dire, puisez de l'eau. Versez de l'eau une fois. On verse l'eau une fois. Versez l'eau une deuxième fois. On verse l'eau une deuxième fois. Versez l'eau une troisième fois. On verse l'eau une troisième fois. La Bible dit, il va creuser un fossé autour. Et l'eau est sur l'animal et l'eau est autour. On a l'impression quand on lit que ce sont des choses comme ça que Élie demande de faire. Non. Dans le surnaturel, l'action que Élie est en train de poser constitue ce qu'on appelle le rituel. Il faut que tu comprennes que il est possible, ce n'est pas à chaque moment, mais il arrivera souvent où, dans le sacrifice que tu vas offrir, il y aura des rituels qu'on te demandera de faire.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici, avant que le feu ne descende, Élie, le prophète, a établi des choses. On a dû faire des actions. Donc, il dépose le taureau, la manière de placer le taureau. La Bible dit qu'il creuse une fosse autour du taureau. Il va appeler les gens, verser de l'eau dessus. Tout ce que Élie est en train de faire constitue le rituel et c'est l'aboutissement de tout ça qui valide le sacrifice. Alléluia. Comme nous sommes dans le surnaturel, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, on reviendra dans la Bible. Vous allez voir que quelqu'un ira chez un féticheur, ira faire son sacrifice, et puis le féticheur va lui demander de faire un rituel. Et on pourra lui dire, va au bord de la mer, à telle heure, fais ceci, fais cela. On dira à quelqu'un d'autre, prends deux œufs, prends un canari, prends une pièce de 10 francs, va à un carrefour, casse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on te décrit ainsi est appelé le rituel. Donc, dans le surnaturel, je veux préparer l'esprit de tous ceux qui sont dans le surnaturel. Alléluia. J'ai parlé des sacrifices institués, j'ai parlé des sacrifices révélés, j'ai parlé des sacrifices volontaires. Je suis en train de parler du rituel parce que tout ceci fait partie du processus du sacrifice. Amen, amen. Donc, quand tu offres ton sacrifice, en fonction des cas, il peut arriver des fois, et ça me permet de parler du sacrificateur. Je dois en parler après ça, mais je peux brosser un peu le sacrificateur. Le sacrificateur peut recevoir des instructions par rapport au sacrifice que tu viens de faire. Et le sacrificateur te dira par rapport au sacrifice que tu viens de faire, voici le rituel qui doit accompagner ton sacrifice. Il faut que donc tu sois préparé et que tu saches qu'il existe dans le surnaturel ce que l'on appelle rituel. Certaines personnes vont penser que nous sommes dans le temps de l'esprit, il n'y a plus de rituel. Le rituel existe bel et bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, toi-même, le sacrifiant, tu peux recevoir un rituel à faire. Le sacrificateur peut aussi te dire le rituel qu'il y a à faire. Et comme je vous dis, le rituel fait partie du processus du sacrifice. Allons-y, on va comprendre. Nous sommes dans le même passage. Nous venons de lire le rituel que Élie, le prophète, a eu à faire. Mais comme dans ce passage-là, il y a deux groupes. Il y a le surnaturel que nous sommes et puis il y a les autres. Donc, on va lire aussi à partir du verset 28 et 26 plutôt. Vous allez voir le rituel que les autres ont eu à faire. Allons-y dans le même passage, 1 Roi chapitre 18, verset 26 à 28. D'accord? Quelqu'un marque avec moi 26 à 28. 26 à 28, toujours. On va voir maintenant le rituel des prophètes de Baal. Verset 26. Les prophètes de Baal prennent verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ça, c'est les prophètes de Baal. Puis, ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. D'accord? À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore peut-être qu'il dort. Verset 28. Ils crièrent à haute voix et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Vous comprenez? Donc, les prophètes de Baal, eux, veulent invoquer leur Dieu. Ils ont le sacrifice qui est là. Mais avant que leur Dieu ne descende, ils ont un rituel. La Bible dit, quand vous lisez, ils étaient en train de sauter autour de l'autel. Donc, vous les voyez sauter autour de l'autel. Ce n'est pas en vain qu'ils sautent, c'est le rituel qu'ils sont en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ils crièrent, le verset 28, quand vous lisez le verset 28, ils crièrent à haute voix. Et conformément à leur coutume, là où il est marqué coutume, comprenez que c'est le rituel qu'ils ont l'habitude de faire. À leur coutume, ils se firent des incisions sur le corps. Donc, ils vont se tracer, ils vont se blesser sur le corps parce que c'est comme ça leur rituel. Et le verset dit quoi? Le verset 28, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. C'est leur rituel qui est là. Donc, vous allez voir que pour des sacrifices, le rituel, le gars va s'habiller en paille.
Allez-y, vous allez voir qu'il y a des rituels où elles mettent de la poudre sur elles avant de danser. Vous voyez la danse. C'est tout ça là qu'on appelle rituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des ensembles de gestes, des ensembles de cérémonies qu'on a autour de la divinité, pour la divinité, que la divinité demande, ou bien que la divinité exige qu'on fasse dans le cadre du sacrifice. Vous allez voir que quand nous sommes à l'église, on a des temps d'adoration. Et puis souvent, le prophète va recevoir, mais la chantre qui est en train de chanter va recevoir pour dire, « Oh, je ressens que Dieu veut qu'on se prosterne. » Oui, c'est le rituel. Prosternons-nous pour attirer la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans les sacrifices que vous allez faire, il y aura des sacrifices où ta divinité, le Dieu d'Israël, ne va rien demander. Mais il y aura des sacrifices où il y aura des rituels. Parce que n'oubliez pas que le sacrifice a pour but de déclencher la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pour but de déclencher la main de Dieu dans ta vie. Donc, tu peux déposer ton sacrifice. J'ai déjà expliqué comment faire les sacrifices dans le surnaturel. Donc, tu es en prière. Je veux que mon mariage soit débloqué. Cette année 2021, je veux me marier. Qu'est-ce que je peux faire comme sacrifice? Et puis, tu reçois, bon, offre un taureau et offre un bélier. D'accord? Donc, tu reçois un taureau et un bélier. Notion d'équivalence, tu as le montant de ton sacrifice. Tu arrives. Pendant que tu entends offre un, c'est un sacrifice volontaire, hein? Pendant que tu as dans le cœur de faire un sacrifice de taureau et de bélier, en même temps, tu as un rituel, c'est-à-dire tu sens que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, libère ton esprit, c'est pour ça que j'enseigne le rituel. Ou bien tu peux ne pas recevoir, mais quand tu arrives, le sacrificateur te dira bien, pour ton sujet, voici les actions que tu dois poser. Très souvent, le rituel est appelé dans nos églises action prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, dans nos églises, le rituel est appelé action prophétique. Donc souvent, on va dire, prends un balai, fais ceci, fais cela. Ce sont des actions prophétiques. On appelle ça action prophétique. Mais le thème correct dans le surnaturel, c'est le rituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On a plusieurs versets qu'on va lire parce que je vais vous expliquer le fondement du rituel parce que ça fait partie intégrante du sacrifice. Lévitique, chapitre 14, on va lire à partir du verset 14 à 19. Amen. Je pense qu'on pourra, par la grâce de Dieu, finir aujourd'hui. Alléluia. Je ne veux pas qu'on fasse le rituel en deux parties. Je veux rappeler que j'ai rendez-vous à minuit avec les surnaturels. D'accord? Bien. Lévitique, chapitre 14, verset 14 à 19. On va lire du verset 14 à 19. Vous allez voir le rituel. Je vais vous montrer plusieurs versets. Hein, dans lequel le rituel est, et puis vous allez comprendre. Lévitique, chapitre 14, est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Verset 14, chapitre 14, le verset 14 à 19. Bien, il est écrit, à partir du verset 14, il est écrit, le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité. Écoutez bien le rituel. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Donc, je prends le sang de l'animal qui a été sacrifié. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, c'est ça? Verset 14, je me perds un peu, voilà. De celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Est-ce que vous voyez le rituel? Il est tellement bizarre. Oh, le surnaturel me plaît tellement quand j'enseigne le surnaturel. Alléluia. C'est tellement bizarre. Mais c'est ce que le Dieu que tu es venu adorer veut que tu fasses. Donc, dans ce passage-là, quelqu'un vient offrir son sacrifice. Et puis, la divinité dit, Dieu dit, le Dieu de la Bible que nous prions, il dit, pour lui, tu vas prendre le sang. Tu vas mettre sur l'oreille droite, le lobe de l'oreille droite. Ensuite, sur le pouce droit de la main droite, ensuite sur le gros orteil du pied droit. Le prêtre prendra la mesure de l'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Donc moi, le sacrificateur, c'est ça qui est écrit prêtre, je prends l'huile, je mets dans le creux de ma main gauche. Écoutez bien, verset 15, je continue.
dans le creux de la main gauche, il trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Donc, il prendra l'huile, il va mettre dans sa main gauche, dans sa main gauche, il prendra le doigt, il va tremper dans l'huile, il va faire sept fois l'aspersion devant l'Éternel. Ok, on continue. Il mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste de l'huile dans la main sur la tête de celui qui le purifie. Donc, voici quelqu'un qui vient d'offrir son sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit bien même? Voici quelqu'un qui vient d'offrir le sacrifice. C'est détaillé. Je prends le sang, le sacrificateur. C'est pour ça que je vais parler du sacrificateur après. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Le sacrificateur doit se connaître, doit s'y connaître en surnaturel. Donc, le sacrificateur prend d'abord l'huile. Il met, d'abord il y a le sang, il va toucher l'oreille avec le sang. Il va toucher l'oreille droite. C'est, ils n'ont pas dit, le rituel, ce n'est pas l'oreille gauche. On a dit l'oreille droite. Donc, tu touches l'oreille droite. Le pouce de la main droite, le gros orteil du pied droit. Ensuite, le sacrificateur met l'huile dans sa main gauche. Il prend le doigt, il trempe dedans. Il va faire sept fois l'aspersion. Et puis le reste de l'huile qui est dans sa main, il va déposer sur la tête du sacrifiant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le rituel. Mais tel que tous les éléments sont en place, Église, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, tel que le Dieu a donné les éléments, si un seul élément n'est pas respecté, le sacrifice est gâté. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Donc, souvent, nous sommes dans l'église, on fait sacrifice, mais s'il y a un rituel qui est rattaché à ton sacrifice, si un seul élément n'a pas été respecté, le sacrifice est annulé. Donc, si le sacrificateur, il prend l'huile, il met sur le lobe de l'oreille droite, le pouce droit, l'orteil gauche et l'orteil droit, c'est bon. Mais la divinité a dit, mets l'huile dans le creux de ta main gauche. D'accord? Si en tant que sacrificateur, je mets l'huile dans le creux de ma main droite au lieu de la main gauche, c'est fini. Le sacrifice est annulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Si un seul élément est raté, c'est fini. Vous allez vous rendre compte que pourquoi j'ai décidé de parler du rituel? Parce que dans l'église, on néglige beaucoup le rituel. Les chrétiens négligent beaucoup le rituel. Le prophète va dire, tue 3 jours, réveille-toi à 3 heures, fais telle prière. Le premier jour, elle va se réveiller à 3 heures, ou bien il va se réveiller à 3 heures. Le deuxième jour, il va t'appeler pour dire, hey, prophète, tu devais me réveiller à 3 heures, mais j'ai dormi jusqu'à 7 heures. Oh, je n'ai pas pu, mais j'ai prié à 7 heures. On ne t'a pas dit 7 heures, on t'a dit 3 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Le rituel est précis dans les détails. Tu ne fais pas ce que tu veux. Dans le rituel, la divinité a positionné des éléments. Il veut que tu fasses comme il a dit. Donc, il ne faut pas que quelqu'un m'a dit, mais oh, on a dit, si elle met l'huile dans ma main droite, ça fait quoi? Est-ce que j'ai oublié de mettre dans ma main gauche? Mais ce n'est pas toi qui décides. La divinité dit, mets l'huile dans la main gauche. Oh, dans la main gauche ou dans la main droite. On t'a dit, mets l'huile dans la main gauche. Toi, tu as mis l'huile dans une assiette. C'est fini. Le rituel est gâté. Et quand le rituel est gâché, le sacrifice est annulé. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des sacrifices. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des sacrifices, mais qui n'ont pas respecté le rituel. On t'a dit, fais telle prière sur 3 semaines. Après 3 semaines, pose tel acte. Après tel acte, fais ceci. Tu as fait la prière sur 3 semaines, tu n'as pas fait le reste. Ça ne marche plus, il n'y a plus de résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, oh, je vais voir les commentaires, je vais voir les cœurs. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Il y a tellement de versets que je veux qu'on lise pour comprendre le principe du rituel. Et c'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir que nos frères d'en face respectent ça. Elle s'en va faire un sacrifice pour son commerce. Son féticheur va lui dire tous les matins, casse un œuf sous ta table. Tous les matins, il va casser un œuf sous sa table. On va lui dire, quand tu ouvres, regardez, quand tu ouvres par exemple ton magasin, avant de placer la table, verse de l'eau. Elle va respecter ça scrupuleusement.
Ceux qui ne considèrent pas, ceux qui négligent les éléments du rituel, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Parce qu'on a cette théorie-là, oh, nous sommes au temps de l'esprit, c'est le moment de l'esprit, c'est le temps du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de tout ça. Ah, ok. Mais si tu veux faire le surnaturel, le rituel existe bel et bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, à partir d'aujourd'hui, regardez les footballeurs. Les footballeurs surnaturels, regardez-les bien. Quand ils entrent sur le terrain, ils ont une manière de rentrer sur le terrain. Il y en a, il rentre toujours avec son pied droit. Il est sur la ligne de départ avant de rentrer là. Il met son pied droit toujours parce que c'est son rituel. J'ai écouté le témoignage d'un footballeur qui dit, dans son rituel, lui, il doit être le dernier à rentrer sur le terrain. Il doit être le dernier. Donc, toute son équipe rentre, lui, dans son rituel, là, il doit rentrer le dernier. C'est le chrétien qui banalise et eux, ils prennent ça tellement à cœur. Ils respectent tellement le rituel. Ce que je suis en train de donner comme rituel, c'est dans la Bible. Écoutez-moi, notre Dieu, la Bible dit, il n'y a pas d'ombre de variation à notre Dieu. Tout ce que les féticheurs font, tout ce que les mystiques font, ils n'ont pas pris ça ailleurs. Le diable qui est Satan, là, il vient de chez nous. C'est de chez nous, il a fait rébellion et puis il est parti. Donc, il ne fait pas autre chose, il n'a rien inventé. C'est ce qu'il a vu le grand chef faire, que lui aussi reproduit là-bas. Mais l'Église néglige tellement le rituel. On va dire à un chrétien, fais une semaine de jeûne. Il va jeûner 3 jours. Les autres jours-là, il ne peut pas jeûner. On va lui dire, fais une semaine de jeûne. Bon, dans tous les cas, est-ce que papa sait que j'ai jeûné? Il ne sait pas que je n'ai pas jeûné. Mais ce n'est pas moi qui dois savoir que tu as jeûné ou pas. La divinité auquel tu appartiens, il sait si tu as jeûné ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Le rituel. Est-ce que le message te fait du bien? Le rituel. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si tu as jeûné ou tu n'as pas jeûné. Si je t'ai dit dans le rituel, tu dois faire 3 jours de jeûne, fais 3 jours de jeûne. Si tu n'as pas fait, ce n'est plus à mon niveau. Un seul élément du rituel qui est raté, le sacrifice est annulé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un même? C'est tellement précis. Un seul élément qui est raté, le sacrifice est annulé. Je veux qu'on continue. Amen, amen. Je veux qu'on continue dans le rituel. Et vous allez voir, hein, les chrétiens qui sont en train de me suivre, qui me suivront plus tard, vous allez vous rendre compte que tu as eu à faire des prières. Et puis, on t'a demandé de poser des actes. On t'a dit, fais ceci, lève-toi à 2 heures, fais cela. On t'a donné des instructions fermes, mais tu as négligé. Écoute-moi, les enseignements que je donne, domination optimale, c'est dans le but de relever la tête de l'Église. Amen, 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 amen. C'est dans le but de relever la tête de l'Église. Si le Dieu auquel tu appartiens te donne des instructions, respecte scrupuleusement les instructions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, on va continuer. Exode chapitre 17, le verset 8 à 13. Rituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous négligez, vous jouez avec Dieu, quoi. En fait, vous voulez voir le Dieu de l'Ancien Testament se manifester et puis vous ne voulez pas pratiquer les choses de l'Ancien Testament. Ça ne passe pas. Dieu n'a pas annulé l'Ancien Testament. Non. Ah, bon, nous on est surnaturel, on sait ce qu'on fait. Le rituel. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 13. Quelqu'un marque avec moi. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 13. En tout cas, pour tous les chrétiens qui vont commencer à respecter le surnaturel, vous allez voir comment vos vies vont changer. Il y a tellement de témoignages. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Est-ce que tu as respecté le rituel qu'on t'a dit de faire? Il y en a qui vont dire, bon, j'ai sauté un jour. On ne t'a pas dit de sauter un jour. Si tu as sauté un jour, c'est gâté. On reprend le sacrifice à zéro. En fait, vous voyez, c'est l'Église qui est un peu, comment je vais dire, un peu tolérant. Mais Dieu n'est pas dans ça. Le sacrifice, il est précis, il est clair. Si, je vais te donner un exemple. Si tu as sacrifié un taureau, d'accord? Et puis le rituel dit, sur 4 jours, fais telle prière. Tu as fait ça 2 jours, bien tu as fait 3 jours. Le dernier jour, tu n'as pas eu le temps de faire la prière. À l'heure qu'on t'a dit, le sacrifice est annulé. Tu dois revenir sacrifier un autre taureau pour reprendre le rituel. Mais si tu dis ça aux chrétiens, il va te dire, non, tu sais. Bon, pendant ce temps, les autres prospèrent. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 13. Moi, je fais ma part, hein. J'enseigne. Verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël. J'ai l'habitude de vous dire le surnaturel là. Je ne vais jamais vous enseigner le surnaturel avec un livre. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est pour ça que mes détracteurs ne savent pas comment m'attaquer.
Tous ceux qui veulent m'attaquer parce que j'enseigne le surnaturel, ils ne savent pas comment m'attaquer parce que dans un cours de surnaturel, je donne tellement de versets bibliques. Donc, sur quelle base ils vont m'attaquer? Ils ne savent pas. C'est dans la Bible que j'enseigne le surnaturel. Verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, écoutez bien, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Va combattre, mais moi, le sacrificateur, j'aurai le bâton de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montaient au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Écoutez bien. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restaient fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Dieu, ton Dieu, le Dieu que nous on prie là, si tu bascules dans le camp du surnaturel, ton Dieu n'a pas d'état d'âme. Le surnaturel, c'est le surnaturel. Le peuple d'Israël est en train de combattre. La Bible dit, quand Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Quand Moïse baisse les mains, Israël a la défaite. C'est le rituel du combat là. Les mains de Moïse doivent rester comme ça. Quand Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Quand il baisse les mains, Israël est dans la défaite. C'est le rituel qu'il doit faire ce jour-là. Le combat a commencé le matin. Jusqu'au soir, il fallait que les mains de Moïse restent en l'air parce que chaque fois qu'il baisse la main, Israël est dans la défaite. Est-ce que Dieu a besoin que les mains de Moïse soient en l'air pour que Israël gagne un combat? Église, je vous pose la question. En quoi est-ce que les mains de Moïse doivent influencer le combat? Mais ce jour-là, le Dieu de Moïse a donné un rituel à respecter. Lève les mains. Et j'ai vécu ça. Il y a des fois où je suis en train de prier pour quelqu'un au téléphone et puis Dieu me dit, lève la main. Et j'entends dans mon esprit, tu ne baisses pas la main. Mais ma main est fatiguée. Mais ce n'est pas parce que ta main est fatiguée, tu dois abréger la prière. Hein? Non, 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 non. Tu ressens la prière sous inspiration. Quand tu connais le rituel, il y a des choses. Et je laisse ma main en l'air comme ça et je parle. Et je parle jusqu'à ce que je finisse. Mais la main est fatiguée, c'est le rituel. Moïse aurait pu dire, mais si elle baisse la main, ça fait quoi? Si elle baisse la main, ça fait quoi? Mais je ne peux pas baisser la main. Parce que le rituel dit, les mains de Moïse doivent être levées. Alors, où et Aaron vont trouver les solutions? Pourquoi? Trouver la solution pour que le rituel se fasse. Ne trouve pas de justificatif pour ne pas faire le rituel. Trouve la solution pour faire le rituel. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Le Dieu que tu sais t'a dit, il faut prier tous les jours à 13 heures. Il n'y a pas fait de dire, je suis au travail. Trouve le temps de prier à 13 heures. Regardez nos frères. Moi, quand j'étais encore étudiant, on est en train de composer comme ça. Et puis, il est 13 heures, les musulmans sortent de la salle pour aller faire leur prière et puis ils reviennent après. Il est 13 heures, en pleine composition à l'université. On est en train d'écrire comme ça et puis il est 13 heures, les musulmans sortent de la salle. Ils en ont prié et puis ils reviennent. C'est nous les chrétiens. Oh, ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Le Dieu dit que les mains de Moïse soient levées. La Bible dit les mains de Moïse là sont restées en l'air jusqu'au soir. C'est ça le rituel. Toi, on va te dire lève-toi à 5 heures sur une semaine. Tu ne peux pas. Mais c'est quel niveau de. C'est quelle dimension de surnaturel tu vas atteindre? Et comme je vous le disais, quand un seul élément est raté, le sacrifice est annulé. Tu dois refaire le sacrifice. Donc, il n'y a pas, on n'a pas encore été assez rigoureux dans le sacrifice au niveau de l'Église, mais au niveau des chrétiens, comme chez les autres. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'ailleurs, ça marche, et puis chez nous, ça ne marche pas. Pose-toi la question, pourquoi j'ai fait mon sacrifice, ça n'a pas marché? Est-ce que tu as été un bon sacrifiant? Première question, j'ai déjà enseigné ça. Est-ce que tu respectes les sacrifices institués avant de venir faire sacrifice volontaire? Est-ce que le rituel qu'on t'a demandé de faire là, est-ce que tu as respecté le rituel? Voici la question. Quel est le lien entre les mains de Moïse et puis le combat que Jésus est en train de mener là-bas? Amen. C'est comme ça que quelqu'un m'a dit non. Oh, mais si je n'ai pas prié aujourd'hui, ça fait quoi? On a dit de prier sur une semaine. J'ai prié 5 jours. À cause d'un jour que j'ai raté là, c'est à cause de ça que je ne serai pas exaucé. Oui.
Quand tu rates un seul jour, le rituel est gâté, le sacrifice est annulé. Le sacrifice est annulé. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Donc, ne trouve pas d'argument pour ne pas respecter le rituel. Trouve les solutions pour que le rituel soit respecté. Moïse peut dire à Dieu, mais attends, je suis fatigué. Je ne peux pas avoir les mains levées du matin jusqu'au soir. Mais Moïse n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Moïse connaît le rituel. C'est au prophète Moïse, au vieux père Moïse même, que Dieu a dit, mets huile dans ta main gauche. C'est un rituel. Il y a des gens qui sont morts dans la Bible à cause de rituels. Les enfants de Aaron sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté le rituel. Il y a beaucoup de vies gâchées comme ça. Église, tu fais offrande, tu fais dîme, tu fais tout. Mais si tu ne respectes pas des rituels, ça ne marche pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça ne marche pas. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tes sacrifices prennent de la valeur. Je vous enseigne le bon sacrifiant. Est-ce que la dîme que tu payes, là, tu as mis à part avant de venir déposer? Ça ne marche pas. Revois les enseignements sur le sacrifice. Revois tous ces enseignements-là et respecte, parce que tout ce qu'on t'enseigne depuis le bon sacrifiant, là, ça fait partie du rituel. Quand je dois payer ma dîme, je mets ça à part. Je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est tout ça le rituel. Regardez comment Élie a posé l'animal, a creusé le trou autour. Il a mis l'eau dessus jusqu'à ce que... Vous regardez seulement, j'ai déposé dans le panier. Mais déposer dans le panier, là, c'est le point final. Mais avant ça, il y a tout ce qui est autour du sacrifice. Est-ce que quand tu as mis ton sacrifice à part, est-ce que tu l'as oublié dans ton esprit? Est-ce que ça n'est pas dans ta tête que, oh, j'ai donné 2 euros et j'ai donné 2 euros? Si tu n'as pas encore oublié, ça ne marche pas. Le bon sacrifice, j'ai parlé de tout ça. Donc, c'est tout ce principe-là qui est le rituel. On a dit à chaque nouvelle lune, fais comme ça. Est-ce que tu fais ça à chaque nouvelle lune? Bon, tu as déposé ton sacrifice, mais est-ce que tu as fait le rituel qu'on t'a dit de faire? Église, est-ce que tu as fait le rituel qu'on t'a dit de faire? Mais c'est normal que tu ne vois rien. On t'a dit, quand tu déposes le sacrifice de la nouvelle lune, fais ça et fais ça. Est-ce que tu le fais? Le rituel existe bel et bien encore. Je peux avancer. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Il me reste 15 minutes. Josué, le chapitre 6. Josué, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Église, je prépare ton esprit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des sacrifices. Ceux qui m'ont vu, vous avez vu qu'il y a des fois, ce n'est pas à tout moment, il y a des fois où le sacrificateur recevra des rituels que tu dois faire. Ce n'est pas à toi de juger le rituel. Si tu n'as pas la foi, ne bouge pas dans ça là. Reste à ta place. Si tu veux opérer dans le surnaturel, il y a des rituels qu'on va te demander de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des rituels qu'on va te demander de faire. Et les rituels, là, c'est versé dans la Bible. Il y en a tellement. Si je veux citer tous les versets du rituel, je ne peux pas faire en une séance le rituel, mais j'ai touché quelques versets pour vous expliquer. Et le problème de l'église, c'est ça. On dit, il y a jeûne de une semaine. Il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Mais tu n'as pas respecté le rituel. Tu n'as pas respecté le rituel. Est-ce que je peux continuer? Josué, chapitre 6, verset 1 au verset 5. Oh, je ne sais pas si il fait du bien à quelqu'un, hein. Je vais rappeler aux surnaturels, aux hommes et aux femmes surnaturels, nous avons rendez-vous tout à l'heure, à partir de 0h00 de la France. Josué chapitre 6, verset 1 à 5. Ok, merci ma fille Isabelle, Dieu te bénisse. Allons-y. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Écoutez bien, personne n'en sortait et personne n'y entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. Jéricho, là, c'est barricadé. Je dois posséder Jéricho. Je dois posséder mon mariage. Je dois posséder ma richesse. Je dois posséder ma fécondité. Le rituel a commencé. Il dit, l'Éternel dit, faites une fois le tour de la ville. Tout Jéricho là, fais ça. Faites une fois le tour de la ville et tu agiras ainsi pendant 6 jours. C'est précis. Souvent, le rituel là, ça peut s'étendre sur 1 mois. Le rituel peut s'étendre sur 2 mois.
Ici, c'est un rituel. On a dit à Josué, fais une fois le tour de la ville, mais tu fais un tour, un jour. Tu fais ça pendant 6 jours. Je continue. Verset 4. Sept prêtres, sept sacrificateurs, porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. On n'a pas dit 8 sacrificateurs. On n'a pas dit 10, on dit 7. Ensuite, le septième jour, vous comprenez? Donc, lundi, un tour de la ville. Mardi, un tour de la ville. Mercredi, un tour de la ville. Jeudi, un tour de la ville. Vendredi, un tour de la ville. Samedi, un tour de la ville. Le septième jour, il est écrit quoi? Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Verset 5. Quand ils sonneront de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rituel est fixé. Un tour, un jour. Bon, imaginez le tour de ton quartier. Parce que les chrétiens, vous aimez trop les arguments pour ne pas respecter les rituels. Je suis convaincu que si on est en 2021, quand on a fini le tour du lundi, là, mardi, il y a des gens qui n'ont pas battu aussi. Ah non, moi, mon pied est enflé. Ah non, quand on a marché hier, là. Ah, Josué, est-ce qu'on ne peut pas attendre dans 2 jours, on va continuer. Dieu dit, vous allez faire ça sur 6 jours. Mais déjà, allez trouver des arguments. Ah, mon non, 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 ma chaussure là me sert. En tout cas, mes pieds sont enflés. En tout cas, moi, j'ai rhumatisme. En tout cas, moi, j'ai mal au dos. En tout cas, moi, ma tête me fait mal. En tout cas, moi, ceci. Ah, moi, je ne peux pas faire ça. Eh, moi, je ne peux pas faire. Et puis, on n'allait pas pouvoir faire le tour de la vie. Le rituel se respecte scrupuleusement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu est précis dans le rituel. Quand tu rentres dans le sacrifice, quand le sacrificateur va te dire, voici le rituel, je dis, Église, respecte le rituel. Donc, premier jour, un tour. Le septième jour, il faut faire 7 fois le tour de la ville. Quand vous allez lire les versets précédents et qui vont suivre, Josué va encore aller plus dans les détails du rituel. Il va dire, pendant tous les 7 tours-là, personne n'ouvre la bouche. Personne ne parle. Tout le monde a la bouche fermée. Ils ont massé, ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. Personne n'a parlé. Quand vous allez entendre la trompette, il a dit, vous pousserez de grands cris. Je peux reprendre le verset 5. Hein? Je reprends le verset 5. Quand ils sonneront de la corne, de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville va s'écrouler. Donc, c'est au terme, au final du rituel que la muraille tombe. Mais les gens allaient dire, mais oh, attends là, Dieu est trop puissant. Est-ce que Dieu n'est pas fort? Est-ce qu'on a besoin de marcher autour de la ville pour que la muraille tombe? Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour que ma délivrance arrive? Est-ce que j'ai besoin de faire ceci pour que je sois libéré? Est-ce que j'ai besoin d'huile d'onction avant forcément que les démons sortent? Est-ce que j'ai besoin de prendre de l'eau pour verser sur ma tête? Le rituel dit, il faut faire. Donc, si tu veux opérer dans le surnaturel, quand on va te donner le rituel, la fais. Sinon, le sacrifice est annulé. Josué n'a pas raisonné. Un tour. La Bible dit c'est au septième tour. Donc, dans une même journée, ils vont faire 6 fois le tour de la ville. Le septième tour. Mais quand on fait le septième tour, on ne s'assoit pas. On fait 7 tours de la ville. Ils ont précisé, personne n'ouvre la bouche. Personne ne parle. Il y a des sujets de prière que tu as eu à cœur. Et puis, pendant que tu priais, tu as entendu le rituel te dit, n'en parle à personne. N'en parle à personne. Et puis, tu as dit à quelqu'un. Le rituel, tu as entendu et on t'a dit clairement, n'en parle à personne. Et puis toi, tu as dit à une personne. Le rituel est gâté, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il y a des gens qui doivent reprendre plusieurs sacrifices. Pendant que je parle de rituel, là, certainement tu vois plusieurs erreurs que tu as eu à commettre. Si Josué fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, s'assoit, le rituel est gâté, on reprend à zéro. Or vous, tu laisses un jour et puis tu viens continuer. On ne t'a pas demandé ça. Hein? Non, 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 non. Il a dit, vous allez faire ça pendant 6 jours. Le rituel peut s'étendre sur 2 semaines. Et les 2 semaines-là, respecte tous les jours. Si tu as raté un jour, c'est devenu zéro. Et le sacrifice, il est annulé. Tu dois recommencer toi à zéro. Donc, le septième jour plutôt, on fait 7 tours de la ville. Vous vous taisez.
C'est quand vous allez entendre. On ne crie pas avant la trompette. Non, c'est quand vous allez entendre la trompette sonner. Vous allez pousser des cris de joie et la muraille va s'écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en ce moment-là que la muraille va s'écrouler. Mais Église, est-ce que ton Dieu là n'est pas puissant pour faire tomber la muraille? En quoi le tout que eux sont en train de faire là, ça influence en quoi un mur? Toi, tu marches autour d'un mur là, en quoi ça influence? Ça ne dérange pas. Est-ce que ton cri peut faire tomber un mur? Non, mais le Dieu que tu pries là, c'est ce qu'il attend. Il veut que tu fasses ça avant d'eux. Effort volontaire, le sacrifice, dans les définitions au départ. Effort volontaire. Il veut que tu fasses ça pour que telle chose se produise dans ta vie. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de résultat. Alors, je te pose la question. Est-ce que les rituels qu'on t'a demandé de faire pour que tu vois la richesse, pour que tu vois ton mariage, pour que tu vois ta fécondité, pour que tu vois ton élévation, pour que tu vois ton décollage, est-ce que le rituel, là, tu as respecté le rituel? Voici tout le problème. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que tu as respecté le rituel? On t'a dit 3 semaines. Tous les mardis, sur 3 semaines, tu as fait 2 mardis, tu as laissé. Tu as sauté 2 mardis, tu es revenu, tu es éliminé après. C'est gâté. Le rituel est mort. Je peux continuer? Il me reste 2 derniers versets, puis on va finir. Je vais dire ça rapidement. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. J'espère que quelqu'un entend la parole que Dieu est en train de lui donner. Marc chapitre 7, verset 31. Marc chapitre 7, verset 31 à 33. Marc chapitre 7, verset 31 à 33. Je ne sais pas si ça te fait du bien. En tout cas, je fais ma part, j'enseigne le surnaturel, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Marc chapitre 7, je rappelle à tous les surnaturels que nous voyons tout à l'heure. Marc chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Verset 33. Écoutez bien. Il le prit à part, loin de la foule. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Est-ce que vous voyez le rituel? Ça, c'est Jésus, hein. J'ai fini l'Ancien Testament pour tous ceux qui m'ont dit « Oh, le rituel, c'est l'Ancien Testament. » Là, on est dans le Nouveau Testament maintenant. Ça, c'est le vrai, c'est le maître Jésus lui-même. Donc, allez-y attaquer, c'est un faux prophète. Quand on parle de rituel, non, c'est un faux prophète. Non, c'est pas biblique. Non, c'est démoniaque. Non, c'est comme si. Voici le rituel, hein. Est-ce que le maître Jésus il a besoin de ça pour guérir quelqu'un? Mais ce jour-là, pour ce malade-là, il a reçu qu'il fallait faire un rituel. Ce n'est pas tous les cas qu'il y a des rituels à faire. Souvent, tu feras ton sacrifice et puis il n'y a pas besoin de rituel. Tu es exaucé. Mais souvent aussi, le jour où il y a rituel, respecte le rituel. Le verset 33 dit, il le prit à part de la foule. Les rituels-là, souvent, on fait ça à l'écart. Pour éviter que tout le monde parle, pour éviter que tout le monde mette sa bouche dedans. C'est pour ça que souvent, les rituels, on te dit, on fait ça à l'écart. Ce n'est pas parce qu'on a des choses à cacher. Non. Mais le rituel, on va te dire, bon, fais ça tard dans la nuit, fais ça ceci, qu'il n'y ait personne autour de toi. C'est ça qui est là, à part, loin de la foule, pour ne pas qu'il y ait trop de gens qui jasent. Quand on se réveille le matin, là, les carrefours, il y a déjà le canari qui est déjà cassé. On ne sait pas qui a cassé, on ne sait pas à quelle ils ont cassé. C'est idéal là. Ceux qui vont au bord de la lagune pour aller faire leurs choses là, ils ne vont pas à 13h le jour de la plage où tout le monde est à la plage, non. Ils vont la nuit, à l'écart de la foule. Et le verset 33 dit, Il lui mit les doigts dans les oreilles. Ensuite, lui toucha la langue avec sa salive. Donc, le maître Jésus a pris sa salive et puis il a touché la langue du sourd. C'était le rituel. Mais il a eu à guérir Bartimée. Il a guéri plusieurs malades. Il a ressuscité des morts. Il n'a pas fait ça. Mais pour ce cas-là, il y avait un rituel à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un rituel à faire. Et le maître Jésus a fait le rituel. Comme je vous disais, généralement, le rituel, on appelle cela action prophétique. Donc, il faut qu'on ait un sacrificateur dans le domaine du sacrifice qui connaît les rituels, qui s'y connaît. Mais il faut avoir aussi en face un sacrifiant qui sait que le rituel existe. Parce que si tu ne comprends pas le rituel, quand on va te dire, bon, prends du sel, viens avec. Oh, ça, c'est pas un. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est le diable. Bon, si tu ne peux pas opérer dans le surnaturel,
faut pas venir opérer, faut pas nous fatiguer. J'ai failli dire, ne faut pas nous emmerder. Amen. Le prophète Élisée, on a dit, il y a l'eau amère. Élisée dit, envoyez-moi du sel, mettez sur un plat. Il lui a envoyé du sel, il a pris le sel, il a versé dans l'eau. Et puis maintenant, il a dit, vous pouvez manger. Mais il pouvait parler, et puis ça allait se faire. Ce n'est pas le même Élisée là qui a parlé, puis des ours sont sortis pour dévorer les enfants. Mais pourquoi là, il a dit, apportez-moi du sel? Pourquoi il a dit, apportez-moi du sel? C'était le rituel qu'il avait à faire. Donc, le rituel, on peut te dire, prends de l'eau. On peut te dire, prends du sel. Ceux qui vont prier avec moi demain matin, il y a un rituel qu'on va faire. Donc, il faut que, en tant que sacrifiant, tu saches que ton esprit doit être libéré pour les rituels. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que tu dois respecter scrupuleusement ce qu'on te dit dans le rituel. Je vais lire le dernier verset, puis nous allons terminer. Est-ce qu'on a compris Marc chapitre 7? Le rituel au temps du maître Jésus. C'est même pas... C'est-à-dire, j'ai lu d'abord l'Ancien Testament pour que les gens s'affolent pour dire « Oh, c'était l'Ancien Testament. » Le maître Jésus a fait des rituels. Jean chapitre 9, verset 6 au verset 7. Le surnaturel, c'est versé dans la Bible. On n'invente rien. Jean chapitre 9, on va terminer avec ce verset-là. Jean chapitre 9, écris avec moi Jean chapitre 9, verset 6 à 7. Donc, ce n'est pas à toi de dire non, est-ce que sans ça Dieu peut faire? Est-ce que sans ça Dieu ne peut pas agir? Non, non, non. Non, est-ce que Dieu a forcément besoin qu'on me touche? Mais si Dieu dit de te toucher, je te touche. C'est le rituel. C'est le rituel. Jean chapitre 9, verset 6 au verset 7. Opérons dans le surnaturel. Il est écrit, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait c'est bien moi, il lui dit, non, 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 verset 6 plutôt. Verset 6, j'étais au verset 9, excusez-moi. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre, c'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus. Le « il » est mis pour Jésus. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, donc, se lava et revint, voyant clair. C'est le dernier verset. Donc, Jean chapitre 9, on croise quelqu'un qui est aveugle de naissance. Jésus, maître, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou bien son parent? Non, ce n'est pas parce qu'il a péché, c'est pour la gloire de Dieu. Et le maître Jésus, verset 6, je vais relire, prends ça dans toi ta version, peut-être que moi j'invente le verset. Il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua cela sur les yeux de l'aveugle, et puis il lui dit, va. Te laver, va laver tes yeux. Est-ce que le maître Jésus a besoin de faire ça pour que ce gars-là soit guéri? Il a guéri Bartimée. Qu'est-ce qu'il a fait pour Bartimée? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Bartimée dit que je recoule la vie. Ta foi t'a sauvé. Bartimée a vu. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle a juste touché le bord de son vêtement. Elle était guérie. Mais pour lui-là, il a craché. Il a fait de la boue avec sa salive. Le rituel là, ça paraît tellement bizarre. Ça choque souvent. Mais c'est le rituel. C'est le rituel. Ça paraît bizarre, ça choque. Mais c'est le rituel. Bon, vous les chrétiens de 2021 là, imaginez que vous avez assisté à cette scène là. Où Jésus a craché dans la boue. Et puis il a craché dans la terre. Et puis il est en train de prendre sa main pour toucher la boue. Et puis il va venir mettre sa salive dans la boue sur les yeux de quelqu'un. Si toi tu as assisté à cette scène là. Ce gars qui est en train de faire ça là, ce n'est pas un faux prophète. Je ne justifie pas toutes les actions qu'on voit. Non, non, non. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je dis le Dieu de la Bible parce qu'on les reconnaîtra par leurs œuvres. Donc, ce n'est pas par des actions, par des rituels, on ne peut pas distinguer quel est le Dieu. Mais c'est dans le sacrifice, c'est dans d'autres choses qu'on distinguera le rituel de quel rituel. Mais le maître Jésus a craché dans la boue et puis il a pris sa salive, il l'a mis et puis il dit, va te laver. Et le gars était guéri. C'est le maître Jésus, je bénis Dieu, que c'est le maître Jésus lui-même qui a fait ça. Alléluia. Bon, on dit au monsieur, va te laver au réservoir de Siloé. On a précisé, va te laver au réservoir de Siloé. Si le monsieur, là, il s'en va se laver chez lui à la maison, l'eau n'est pas de l'eau. Quelqu'un m'a dit, ah, mais j'ai marché qu'au réservoir de Siloé. Mais attends, donnez-moi de l'eau, j'ai rincé mon visage et puis c'est tout, il serait guéri. Non, non, on ne t'a pas dit, va ailleurs. On t'a dit, va au réservoir de Siloé, respecte le rituel.
Quand Naaman le Syrien, il y a tellement de rituels dans la Bible. Quand Naaman le Syrien est arrivé voir le prophète Élisée lui a dit quoi? Va te plonger dans le Jourdain. Il n'a pas dit va dans Parpar. Il n'a pas dit va ailleurs. Il n'a pas dit va sur le lac de Tibériade. Il lui a dit va dans le Jourdain. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Si Naaman va se plonger 7 fois dans le lac de Tibériade, il n'est pas guéri. Respecte le rituel. Si Naaman plonge dans le Jourdain 5 fois, Naaman n'est pas guéri. Si Naaman plonge dans le Jourdain 9 fois, il n'est pas guéri. On lui a dit 7 fois. L'Éternel a dit au prophète Moïse, parle au rocher et puis l'eau va sortir. Moïse n'a pas parlé, il a frappé le rocher. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le rituel. La colère de Moïse a fait qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. L'eau est sortie, hein? Mais Dieu s'est fâché parce que je t'ai dit de parler. C'est ça le rituel. Donc, pour des sujets de prière, il y aura un rituel qu'on va te donner de faire. Nous sommes dans le surnaturel. Respecte parce qu'un élément du rituel qui est raté, tu as raté. Tu as raté tout le sacrifice, tu as annulé tout le processus. On reprend à zéro. Amen. Je crois, je veux croire que l'enseignement est passé. Que Dieu te bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va toucher l'autel. Nous sommes toujours dans le sacrifice. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pour les surnaturels, nous nous retrouvons à 0h, 00h heure de la France. Et puis pour les autres, par la grâce de Dieu, nous nous verrons le jeudi prochain à la même heure, 18h heure de la France. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais croire que cet enseignement sur le rituel t'a fait du bien. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom.